Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, du Weiss Schwarz, je l'avais plus ou moins promis sur mon Facebook, avec le Trial Deck Konosuba en version anglaise. Alors j'avais prévu également de vous faire des boosters, mais vu le prix du Trial Deck à la boutique Manga Evasion, bah du coup je me suis un peu limité qu'à ça. Voilà, donc on va regarder un peu ensemble dedans. Donc à la base, bien sûr, moi c'était de jouer un deck Megumin Aqua, ou Megumin Darkness plutôt. Mais voilà, c'était un peu pour ça que je l'avais pris, on verra bien. Et donc on va pouvoir checker un peu, donc derrière on nous dit un peu ce que c'est que Weiss Schwarz, ce qu'on a besoin pour jouer, et de ce que contient plus ou moins le TD, et également les cartes exclusives. Du TD, donc là en l'occurrence God Blessing, nanana. Et il peut y avoir des cartes sign, et là donc du coup s'il y a une carte sign dedans, c'est celle de la Seiyu de Aqua. Donc voilà, hop, on va faire sauter, hop, voilà, hop. Là, il va y avoir des trucs sur les côtés. C'est ce que je déteste le plus. Top, on va en faire sauter qu'un, pas besoin de plus. Donc ensuite, dedans, donc comme d'hab, on va avoir les règles. Donc là, la version 2.42 des règles. Top. On va avoir également le petit truc avec l'explication rapide. Montre un peu vite fait. Donc d'un côté les cartes, de l'autre côté les phases de jeu avec une explication un peu plus précise sur la phase d'attaque. Et du coup le terrain, qu'on vous avait déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, notamment dans le à quoi on joue, qui commence à dater sérieusement, comme les autres, comme tous les à quoi on joue. Donc. Mais il n'y a pas, je vous rassure, pas de zone supplémentaire depuis. Voilà. Il y a juste quelques effets de cartes qui sont venus après. Voilà. Et donc on va passer au plus intéressant, au deck. Donc, hop. Donc on a déjà une carte feuille d'Aqua, ce qui est plutôt sympathique. Alors, j'arrive à me mettre par rapport à ma caméra. Top, voilà. Donc on en a une autre. Donc il y a quelques cartes foil. Donc bon, normalement c'est celle-ci qui aurait dû être en sign si elle l'avait été. Donc là en l'occurrence c'est pas le cas. De toute façon, le jour où je sortirai une carte sign, c'est pas encore arrivé. Et donc après, donc vous avez des cartes Choosing a Goddess Kazuma. Donc c'est. Après je vous laisse aller voir le à quoi on joue si ça vous intéresse. Là c'est cool, il y a plein de cartes Megumin. C'est plutôt cool. Donc à chaque fois, vous voyez donc la première. Ça, vous voyez le nombre d'exemplaires de chaque carte. Putain, il y a vraiment masse de Megumin dedans. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc voilà. Après, vous avez les cartes Climax. Donc, hop, en x4, ici. Oula, alors celle-ci, je ne sais pas comment je vais les mettre. Hop, hop, hop. Tiens, celle-ci. Kill Quest Start. Top. En x2. Je sais pas, non, c'est pas sûr. Alors, on va bouger un peu tout ça. On va remonter un peu les cartes. Ce serait dommage de ne plus voir la feuille, j'avoue. Le Kazuma, c'est pas grave. Ça parle mal. En même temps, c'est Kazuma, alors bon, bref. Tchop. Tchop. C'est tout bon. Donc après, on a un peu d'aqua en x2. Un peu encore d'aqua en x4. L'aqua en x2. En gros, il est essentiellement Aqua Megumi. Encore de l'Aqua. De l'Aqua.
De là quoi, donc c'est. Hop, je vais virer mon couteau qui m'emmerde. Encore à quoi? En x2. Donc là, le climax à quoi? Gumigumine encore, et ça c'est cool. Tiens, celle-ci on l'avait pas, non? Non, c'était juste du ressemble. Celle-ci par contre, oui. Et Goddess who govern water, c'est celle qu'on a en foil là-bas. En non-foil. C'est dommage, il n'y a pas de Megumin foil, je suis deg. Ah, puis celle-ci, c'est celle qu'on a en foil là-bas. Donc voilà. Donc voilà, donc un deck démarrage Colossuba essentiellement Megumin Aqua. Donc bah, je pense que je me ferai un Megumin Darkness du coup. Non, en fait, je sais pas, je verrai bien, mais on va voir déjà ce que ça donne là avec le TD. Et je verrai bien par la suite. Donc là-dessus, je vous dis à ciao, à plus. On se retrouve pour de futures vidéos unboxing ou jeux en société, jeux de cartes, on verra bien. Et vous pouvez suivre du coup toute mon actu sur Facebook essentiellement, sur ma page, donc que vous trouverez en lien dans le commentaire. Et bien sûr, en vous abonnant à la chaîne. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à ciao, à plus.